Ouais, bah. J'ai passé une bonne nuit, je me suis réveillé à 7h15. Alors que d'habitude, c'est 8h15, 8h30. De longue haleine, le jour de mon enterrement de célibataire. Je remercie d'ailleurs mes témoins pour cette belle idée. Aujourd'hui, je vous l'annonce, je me retire de la vie politique pour me consacrer à la vie romantique. Parce qu'à quoi me servirait de devenir président, alors que ce matin, j'ai eu le droit au plus beau des mandats. Le plus beau des mandats a commencé avec ton oui. Car maintenant, je suis l'élu de ton cœur à vie. Souvent, je le dis peu, j'ai mon côté taiseux. Mes vrais sentiments, tu les lis au fond de mes yeux. Mais aujourd'hui, pour toi, je force ma nature. Et le cœur grand ouvert, je te remercie pour cette aventure. Celle que l'on partage depuis 10 ans maintenant, qui a fait que pour moi, jour après jour, tout paraissait clair. De ces blagues rien qu'à nous, ou d'un regard on se comprend, à ces promenades ou ces vacances, et tant d'autres bons moments. Tu es celle à qui jamais je ne cacherai mes rires ou mes pleurs. Celle qui au quotidien partage les mêmes valeurs. La famille, les amis, ce qui réchauffe le cœur, et mes défauts, ma dérision, tu ne m'en tiens pas rigueur. Pour tout ça et tellement plus encore, tu es celle qui chaque jour réussit à me rendre plus fort. Et l'avenir qu'on se dessine a fait qu'aujourd'hui m'a semblé être le bon moment pour te dire combien je t'aime, Mimi. Vous m'avez demandé de célébrer votre mariage il y a un certain temps, donc je vous remercie sincèrement. Monsieur Luc Jean Benoît Semeric, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Lise Marine Anne Lemoine, ici présente? Oui. Madame Lise Marine Anne Lemoine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Luc Jean Benoît Semeric, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Luc-Jean-Benoît Semery et Madame Lise Marine Anne Lemoine unis par le mariage. Oui, bonjour à tous et merci de remplir cette belle église de Saint-Georges-de-Chénay. Je pense que tout le monde la connaît. Moi-même, je suis très content d'être parmi vous. Je me sens un enfant du pays parce que toute mon enfance se rassemble ici dans cette église. C'est une joie d'encadrer un mariage aussi bien préparé, je trouve. Et ensemble, d'en faire un grand moment spirituel, comme si c'était un peu le couronnement de cette journée merveilleuse que vous promettez. Alléluia, alléluia.
Alors...